Hello, bonjour. Je vais parler de la famille royale. On va parler des relations entre le prince William et le roi Charles. Et ce, par rapport à un article qui vient d'être écrit, qui vient d'être publié dans les tabloïds anglais, hein, le Daily Mail et tout autre tabloïd. Donc, cet article dit en fait que le prince William a demandé au prince Charles d'évacuer, de déménager le cottage dans lequel il avait ses affaires, un cottage au pays de Galles, un cottage qu'il avait rénové et qu'il adorait particulièrement. N'est-ce pas? Ce cottage appartenait au duché de Cornouailles et était la propriété du prince Charles quand il était encore le prince de Galles. Depuis que William est devenu prince de Galles, il a eu possession de tous les biens sous le duché de Cornouailles. Il est maintenant le propriétaire. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait demandé au prince Charles de libérer le cottage car il souhaiterait le louer pour près de 2 400 euros la semaine. C'est ce qu'on nous dit. Et que le prince Charles serait choqué qu'on ait pu lui demander ça, que son fils d'ailleurs ait pu lui demander ça, sachant que c'est lui qui a rénové ça et où il passait ses vacances, il a passé ça au prince William qui maintenant lui demande de quitter le bâtiment. Alors, c'est une nouvelle choquante parce qu'on voit ici un fils qui demande à son père de quitter la maison. On essaie de nous dire que oui, le prince Charles est riche, donc il peut très bien s'offrir autre chose et de toute façon, il a déjà d'autres châteaux et résidences qu'il pourrait choisir. Mais là n'est pas le problème. Il s'agit du problème du respect. Ici, il y a un manque de respect d'un fils à son père. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que vous demanderiez à votre père de quitter un bâtiment qu'il possédait et qui vous a donné comme héritage alors qu'il est toujours vivant? N'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez lui demander d'enlever ses affaires, avoir l'audace de lui demander d'enlever ses affaires car vous souhaiteriez louer le bâtiment? Si vous dites oui à cela, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, c'est qu'il y a un problème. Moi, je n'oserais jamais demander à ma maman, qui possède des biens, m'a donné une maison en héritage alors qu'elle est toujours vivante. Je ne pourrais pas lui demander, ah, maman, maintenant que tu m'as donné la maison, est-ce que tu peux enlever tes affaires, s'il te plaît, car je veux louer la maison. C'est ridicule, c'est un manque de respect total. En tout cas, personnellement, j'ai été éduquée comme ça et je pense que c'est un manque de respect. Alors, vous avez tous les fans de Kate Middleton, du prince William, qui essaie de dire que non, le prince William est le nouveau propriétaire, donc il a le droit de décider ce qu'il veut faire de cette maison. Premièrement, on nous a toujours dit que les enfants doivent respecter les parents, peu importe si ça a à voir avec le business, parce qu'on dit oui, les affaires sont les affaires, mais non, avant tout, il y a les parents, il y a l'amour qu'on a pour les parents et le respect qu'on a pour les parents. Ici, le prince William nous montre qu'il ne respecte pas le prince Charles. Et c'est d'ailleurs pourquoi on nous dit que le prince Charles est étonné et surtout très déçu. En plus de ça, ça montre que les relations entre le prince Charles et le prince William ne sont pas si bonnes que ça. Il y avait toute une narrative selon laquelle, oui, depuis que le prince Harry s'en est allé et qu'il attaque la famille, les relations entre le prince William et le prince Charles sont superbes. Le fils et le père s'entendent à merveille, qu'ils se comprennent. Ils ont été blessés par le prince Harry, ça resserrerait les liens. Mais bon, c'est que si c'est le cas, en tout cas, ça prouve qu'ils ont une drôle de relation, hein, n'est-ce pas? Aussi, si c'est vrai, hein, ça prouve que le prince William vraiment n'est pas un enfant de cœur. Peu importe la relation que vous avez eue, que vous soyez frère ou père, il s'en fiche. Quand il décide quelque chose, il décide de le faire. Et s'il doit vous mettre à la porte, il doit vous mettre à la porte. Hein. Je ne suis pas de mauvaise foi, je vous rapporte ce qui a été dit dans les tabloïds. Vous allez me dire, mais pourquoi tu crois ce qui est écrit dans les tabloïds? Eh bien, je vais vous répondre, hein, surtout à ceux qui sont les fans de Kate et Harry et William. Ben, vous avez cru tout ce que les tabloïds vous disaient au sujet de Meghan Markle. Vous basez votre jugement de Meghan Markle sur ce que la presse vous dit, n'est-ce pas? Pourquoi alors ce serait différent maintenant? Pourquoi devrait-on ne pas croire la presse tabloïde quand elle nous raconte cette histoire, mais la croire quand il s'agit de Meghan Markle? Parce que tous les commentaires négatifs que Meghan reçoit, c'est basé sur ce qui a été dit dans la presse. Donc si on a cru la presse à ce moment-là, pourquoi ne pas la croire maintenant? C'est la question que je pose. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.